still back to think of things forbidden for now. Death, fake dissipation, feel wrath, wrath is eviction. Wrath, wrath, sad desire, wrath, wrath, dying of my world for now. We are, we're nothing but a fact. Faire 5 ans qu'on existe, on fait donc du punk hardcore. Et puis, on vient de formations différentes, autant qu'on est. Et voilà, ouais, ça fait 5 ans qu'on évolue dans le même groupe, on a sorti 2 EP. On fait du punk hardcore, ouais, et c'est. Ça évolue au fil des années au niveau du la compo et c'est vraiment assez finalement passionnel quoi, comme truc et on a beau pas tourner énormément mais voilà ça au fur et à mesure des dates, des concerts, des tournées, c'est, tu vois la motivation des gens et voilà on est là-dedans quoi. On a joué en France. Et on a fait quelques dates en Suisse, en Belgique. Cette année, on a fait notre première date en Allemagne. Et sinon, après, on a été jusqu'en Pologne, en Italie. Voilà. Alors, il n'y a pas de leader? Non, voilà. De leader. Non, oui, voilà. Les compos, c'est en groupe. On essaie de composer ensemble. C'est aussi bien moi qui vais arriver à la guitare avec des riffs. Et après, on joue ensemble. Des fois, moi je suis pas là sur certaines répètes, donc du coup, les gars avancent, moi j'essaie de me remettre dessus. On compose vraiment à quatre, on est quatre et il n'y a pas de. Qui va composer lui-même dans son groupe. Et si un truc qui va pas, ça va pas, et
c'est pas le temps. Voilà, merci. C'est faire du positif avec du négatif, je pense. C'est juste ça. C'est toutes les merdes que t'as, tu les prends, tu les chopes, tu les fous dans un truc qui font que tu vas bien le reste du temps, quoi. C'est un peu dans le style qu'on fait, ou voire dans les styles un peu vénère. C'est voilà, les mecs, c'est des mecs ultra positifs sur scène, mais qui font de la musique ultra négative, et c'est le principal, quoi. C'est un peu le... J'ai perdu le mot, mais le... Moteur. Le moteur, mais le... Tu vois, t'es sur scène, tu vois, on est rentré de tournée la semaine dernière, on a passé une semaine de boulot, et là, t'es sur scène ce soir, et tu dégages un peu tout ce qui vient, et... C'est l'exutoire, voilà. J'ai perdu le mot, ouais, c'est un peu l'exutoire, quoi. T'es pas bien dans... Enfin, tu passes une... T'as des mauvaises nouvelles, tu passes de mauvais moments dans ta semaine. Tu te dis, putain, il y a un concert ce week-end, les gars. C'est là qu'on va tout donner. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Voilà, la musique, voilà, comme disait Guillon, c'est le moment positif. Dans toute ta négativité de ta vie. Ça fait 11 ans maintenant. 11 ans en tant que ça 11 ans. 11 ans maintenant. Alors, si tu veux l'historique, avant, il me semble que c'était un sauna. Selon la légende, ce serait un sauna gay. Ah ouais. Ouais, il y a un pentacle si en carrelage. Ouais. Mais selon les rumeurs, ce serait. Il y a des rumeurs bizarres sur ce lieu. Mais après, non, c'est. Ouais, ça a été ouvert maintenant. Il y a 11 ans. Ils ont fêté en 10 ans l'année dernière. Voilà, c'est ça. Donc ça fait 11 ans que c'est ouvert. Et puis ça a été très. Le début a été très punk, très. Chaotique. Très punk, très noise. Et maintenant, ouais, c'est vrai que c'est. On arrive à. Enfin, on arrive. Ouais, ils arrivent. Ils arrivent à vraiment mieux gérer le truc, à vraiment structurer. Là, ils font vraiment plein de choses. C'est un lieu très vivant sur Clermont, qui est connu de tous les mecs qui habitent à Clermont. Et des gens qui habitent ailleurs aussi, parce que dès que tu vas dans d'autres villes, tu peux aller en Suisse discuter avec quelqu'un et tu te dis, tiens, vous répétez où? On répète au Raymond Bar, les gens ils le savent. Enfin, ils le savent, ils connaissent. C'est national, voire international comme lieu. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment connu à l'étranger. C'est vraiment connu à l'étranger. C'est très prisé par les groupes. On a vraiment la chance d'avoir un lieu comme ça. C'est notre deuxième maison. Ah, c'est là-bas qu'on répète. C'est là-bas qu'on organise nos concerts. C'est là-bas qu'on va avoir nos concerts. La salle autogérée de Clermont. Je pense que beaucoup de villes en France peuvent envier un lieu comme ça. On a la chance d'avoir ça. Bon, on est combien de groupes à répéter là-bas? 9 groupes à répéter là-bas. Autant d'assos qui organisent. Des assos d'électro, t'as des assos de hip-hop, peut-être. Non, mais on est 9 groupes à répéter là-bas. Vraiment des groupes qui tournent. De manière internationale. En plus de manière internationale. Voilà, on est 3-4 groupes à vraiment tourner. On a fait un bifoot avant de partir et lui il a perdu et lui il a gagné. Par exemple. Non, mais ouais, le est vraiment un pôle majeur de la scène actuelle, la scène hardcore ou autre, de Clermont-Ferrand. La scène alternative sans le Raymond, il n'y aurait quasiment plus rien sur Clermont même. Que ce soit du hip-hop, de l'électro, de la techno, de la noise, du free jazz, de tout quoi. T'as ça et le téléphone. Alain Bachung et. Non, Alain Bachung est pas venu, le pauvre il est décédé. Il viendra bien un jour. Il est décédé. C'est vraiment. Pas Raymond à Clermont-Ferrand, et ben putain, on se fait chier quoi. Au niveau de la scène alternative, la scène underground un peu. Comme position au niveau électro, que ce soit de l'électro jusqu'au punk, jusqu'à la noise, etc. Porter ce genre de scène à part le Raymond Bar, quoi. Tu vois, enfin, c'est super cool de jouer sur un week-end comme ça. C'est enfin, tu vois, on a la motive, on a la gouache, on a tout ce que tu veux pour continuer. On est content de jouer avec des groupes comme Fake Off, avec des mecs qui
C'est Golf Polaire. Puis, tout le truc qu'ils organisent en fait, ce genre de festival avec avec tout ce qui comprend, il y a un tatoueur, il y a des gens qui sont pour une association pour les animaux. Il y a tout ça, quoi. En fait, tout ça correspond à ce qu'on... Ça fait partie de la scène, quoi. Ça fait partie de notre truc. C'est juste des humains, quoi, c'est tout. Enfin, pour nous, c'est vraiment... On est juste content de faire partie de ça, en fait. C'est pas seulement spectateur. Là, on est réellement acteur de la scène. On est acteur, on nous a invités, on rencontre des gens, on vous rencontre, vous, qui... voilà, vous êtes là depuis une demi-heure debout à écouter nos conneries, filmer tout ça en étant à deux doigts de se prendre des coups de tête, tout ce que vous voulez. Non mais ouais, c'est trop cool, c'est super, et on a juste hâte de sortir notre album, de tourner, de rencontrer encore des gens comme vous, c'est juste pour ça qu'on fait de la musique, tu vois. Puis voilà, nous de notre côté, on fait notre truc, on sort nos albums, notre album, on sort nos EP, on fait, voilà, et on fait du camion, et c'est cool, quoi. Non mais vraiment, voilà, c'est juste là, quoi, et c'est du plaisir, quoi, c'est trop cool.